Bienvenue au téléjournal. Un chat pris dans un arbre, un vieillard qui tombe des escaliers et une inondation à Saint-Hyacinthe. Alors, pour nous parler du chat pris dans l'arbre, nous avons ici Jacques, mon associé. Alors, Jacques, comment est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des procédures de sauvetage pour le petit chaton? Oui, en effet, il y a eu des pompiers, plusieurs pompiers qui essaient de sortir le chat, mais à date, les efforts sont futiles, puis ça marche pas. Quelle tragédie. Affaire internationale maintenant. Un vieillard de 16 ans qui tombe des escaliers. Alors, il semble qu'il se soit blessé, Jacques. En effet, oui. Il s'est fait vraiment blesser parce que quand il est tombé, il a activé une bombe nucléaire et ça l'a complètement anéanti. Pauvre chance. Pauvre petit garçon. Nouvelle régionale! Alors, il y a eu une inondation à Saint-Hyacinthe, et 2 cm plus précisément. Alors, Jacques, ici, présent, est là pour nous en parler. Alors, Jacques... Oui, alors, il y a eu une inondation de 2 cm. C'est causé par l'explosion nucléaire qui a détruit le barrage d'eau qui gardait le lac. Et toutes les 12 lettres du lac sont sorties, puis ça a complètement détruit le village. Maintenant, la météo! Ouais, la météo. Alors, on va passer à la météo, Jacques. Ouais, on va passer à la météo. Ouais. Alors, ici, Côtelette Provencher pour les prévisions météorologiques. Alors, on va commencer ici avec Val-d'Or. Val-d'Or en a un beau 2 degrés. C'est rare dans ce coin-là. On voit le soleil qui a rétréci depuis des années, là, à cause de l'explosion nucléaire à Saint-Hyacinthe. Alors, à Montréal, il y a 75 degrés avec la grêle, beaucoup de grêle à Montréal. Et à côté à Québec, 25, oui, avec un gros soleil. À Gaspé, moins 275, alors le soleil est dégagé, en effet, on peut voir. Et à Iqaluit, surprise, ça fait 45 fois cette année qu'il fait 45 degrés Celsius, et voilà, c'est fait. Et le grand soleil Iqaluit pour faire fondre la neige. Alors, ça se gratte un petit peu à Saint-Hyacinthe. On a, après l'explosion nucléaire, beaucoup de radiation à Saint-Hyacinthe. Et il y a aussi de la grêle, de la neige, des pluies de grenouilles. Et on annonce encore 4 mètres de neige pour la prochaine heure. Il y a déjà 26 mètres de neige dans la région de Saint-Hyacinthe. Il y a aussi 0,25 degrés Celsius comme température. Et aussi une pluie de météores pour la nuit. Alors... Je leur souhaite la plus bonne chance. Prévision du côté d'Hawaï maintenant, j'avais oublié, désolé. Alors, on a de la neige qui tombe en gros flocons, là, c'est comme des gros morceaux de glace. Ben, c'est quasiment de la grêle. Mais ici, on a des gros morceaux de grêle avec un diamètre de 3 mètres, je crois. Et il fait moins 75, alors un très beau temps pour aller en voyage à Hawaï.